fait. C'est eux. Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Presse, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Presse, depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio, depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpresse.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Presse, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Segment spécial. Segment spécial. Bienvenue dans segment spécial ça sous Alter Radio. C'est pas une émission ordinaire, son temps spécial justement nous prend pour nous aborder une question qui est capitale pour l'avenir pays, qu'on prend du point de vue politique, qu'on prend du point de vue démocratique tout court, la vie publique en général, ces affaires corruption ça qui dominait actualité a nous tendait rapport ULCCA qui sorti la semaine et qui épinglait trois membres conseil présidentiel transition 1, n'a parlé de Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire et puis ancien sénateur Gérald Gilles. Yo tout qui d'après rapport a impliqué dans un gros acte corruption recevoir pot de vin pour yo ta reconduit Raoul Pierre-Louis comme directeur BNC, Banque Nationale de Crédit. Le fond de l'affaire, c'est ça lié, mais il y a un bon détail dans le rapport là, peut-être au fur et à mesure, dans Vinicius. Mais pour analyser ce qui passé et qui lui-même, c'est une affaire, nous t'a dit, qui inédite dans l'histoire politique pays ça depuis au moins 50 dernières années, ça y est. Nous gagnons en ligne avec nous Édouard Poultre, c'est secrétaire exécutif Ensemble contre la corruption. C'est un ensemble d'organisations de défense des droits humains, organisations qui ont observé, qui ont suivi ce qui a passé dans le pays, organisations citoyennes qui rassemblaient pour mener une bataille contre corruption et plateforme Narelé Ensemble contre la corruption. C'est lui qui est secrétaire exécutif, lui, Édouard Poultre. Bienvenue sous antenne Alter Radio. Oui, bonjour. Bonjour, Godson. Bonjour à tous auditeurs et auditrices Alter Radio. Son plaisir pour nous parler. Il est vrai que sujet corruption n'a pas gagné aucune réjouissance pour nous parler de lui. Parce que corruption li tellement a fait ravage dans espace public là, dans gouvernance pays là, que ça n'a vive là et comme situation côté nouvel l'état effondré net, corruption jouait un gros rôle là-dedans. Et gagner une définition que et moins pas une définition mais plutôt une approche que Nations Unies fait sur l'affaire corruption, les deux sont bagaille qui
pernicieux, son piège, donc son piège où tomber la dernière, et puis et piège ça fait que ou tomber là dans lit ou vinn carrément et tant coup un monde qui a souffri une maladie qui est incurable. Donc ou praler et maladie ça a emporté ou. Et c'est un peu ça que n'a vive là parce que corruption en gens et Nations Unies continue dit lit et que lit li fait pays yo tomber non problème que institution ou pas ka fonctionner et violation droit moun et massacre c'est vraiment et moi-même et approche ça que Nations Unies fait et sous a fait corruption donc et ça va passer nous là mais c'est pas moi-même moi toujours dit ça et corruption pas une fatalité et de corruption en Haïti et c'est volonté pour nous gagner c'est leadership pour nous gagner c'est hommes et femmes d'État et pour nous gagner même gens d'autres même gens certains pays sortis et corruption non gouvernance qui dominée par la corruption qu'un pays qui fait exemple dans ça et qui sortit tête yo dans de régime et complètement corrompu. Ouais. Donc, voilà le tableau est dressé mais un pays a est vraiment un plus gros problème que n'a confronté là qu'on y a c'est question corruption. Alors, n'a vini pour mettre question en perspective, Jean Offelin, mais gagne un élément précis qui lui-même embagé nos jodia, c'est rapport ça que ULCC souti et qui établit que effectivement te gagne za corruption, le parler de pot de vin et l'autre problème encore. En fait, de quoi s'agit-il? C'est conseiller qui t'a demandé 100 millions de goudes pour être capable de reconduire fonctionnaire à l'imposte et comme lui-même l'a discuté avec lui, il n'est pas arrivé à dégager l'agent ça, il proposait une autre formule et c'est comme ça qu'il y a une carte de crédit dans Mayo de montant de 20 000 dollars. Et il a dépensé à droite à gauche et le ça c'est Raoul Pierre-Louis lui-même qui t'a gagné pour renflouer compte carte de crédit ça carte de crédit que il joigne de manière irrégulière tout ça n'a dit là li établi l'en rapport et c'est peut-être ça ULCC mandé pour la justice prend question en main. Il a parlé de une formule qui dit mettez l'action publique en mouvement. Cela veut dire que chef parquet, commissaire gouvernement, l'emporte au président, a dû prendre question en main pour les investiguer et puis faire ça la loi dit. Alors globalement rapport là, il fait un pile remous. Nous regardons dans qui conditions, dans qui contexte que le sorti, comment la presse est mobilisée, comment public là intéressé, nous-mêmes nous ouais ça et qualité rapport ça qui ça que vous capable dit sous lui et Edouard Poultre. Oui. Bon, nous-mêmes et dans ECC on nous dit le tout de suite et ULCC c'est une institution jodia nous penser qui comme institution publique qui mandaté pour faire ça la faire et faire enquête sur des actes de corruption nous croit que les gagnants les ressources techniques et humaines là dans ligne qui est qualifié pour faire travail là. Ça c'est premier bail que nous constater et parce que rapport d'enquête que nous gagnons dans ben nous traiter rapport d'enquête que
ULCC fait sous divers différents scandales de corruption, différents actes de corruption qui a passé pratiquement quotidiennement dans le pays. Malheureusement, pas grand pile qui arrive à joindre ULCC, mais ça qui arrive à joindre enquête que vous menez, yo, c'est des enquêtes qui répondent aux normes. Qui est lié aux normes liées à ça, une ouvrière et crime financier. Incrimination dans la question de corruption, il y a trois éléments qui ont besoin de respecter et avec force. Premier élément, c'est l'élément légal. Et l'élément légal là et la loi et ouais dans toute enquête ULCC fait yo limiter qui un type de loi que ordonnateur ou bien moun y a enquêté sur yo qui un type de loi que yo violé dans loi et portant et prévention et répression de la corruption. C'est loi 2014. Donc, premier élément, c'est élément légal. Là. Deuxième élément dans le rapport d'enquête pour nous chercher, c'est élément matériel. Élément matériel, là, c'est élément qui est lié avec transaction illégale qui fait avec finance et pays. Ouais. Donc, et ça, c'est élément matériel. Et rapport d'enquête. ULCC a respecté ça. On va venir avec des faits qui gagnent et les éléments matériels de ça la juger. Et puis, dernier élément, c'est élément intentionnel. Élément intentionnel là où est que yo respecte le tout à fait le yo joigne intention qui c'est élément moral là, intention pour yo chercher fait comme sous dos l'État. Donc intention pas et où est li transpiré dans rapport d'enquête yo qui fait que rapport ULCTO c'est des rapports qui solides qui campaient sous des faits et nous-mêmes dans ETC où qu'on est nous a fait un plaidoyer tout pour que gagner un parquet financier national anticorruption et qui vous permettre... C'est ça, accord 3 avril, là, tu prévois. Oui, pour un parquet financier national anticorruption, l'ESA, si Yobay et ULCC mandat sa mission, ça, en dehors de l'autre mission que vous gagnez pour prévention, etc., mais si Yobay mission, ça, ou est que et ULCC vini et est capable transférer dossier d'enquête que le fait yo il transfère yo directement à un juge d'instruction pour lui et continuer faire enquête judiciaire. Donc cela veut dire que la précision c'est important, c'est pas un appel public qui a fait tant que gens ça fait l'encasa, c'est pral comme si on courait de transmission même qui est établi qui vient faire que question ou aller directement dans la justice. Absolument. Et puis bon, dernièrement parce que et plaidoyer ça n'a pas fait pour parquet financier, c'est premier palier, deuxième palier, c'est le pôle, un pôle financier dans la justice. Et pôle financier ça a l'nécessaire parce que crime financier c'est yo pas même genre avec crime de sang ou bien l'autre crime sexuel, c'est des bagailles très qui font moun gen expertise, font on équipe gen expertise financier, comptable, etc.,
pour les capables de comprendre les questions de crimes financiers. Donc, il faut bien des juges qui qualifient pour traiter les dossiers liés aux crimes financiers. Alors, question ça que... Par lié à... Il semblait que le gouvernement fait un accord dernièrement avec les CSPJ et même la communauté internationale là dans l'île qui parlait de qui font accord pour que effectivement ils développent le pôle financier ça en dans la justice. Donc, ce qui veut dire que on va gagner des juges compétents qui et aussi qui est non seulement qui compétent, qui qualifié, mais des juges qui gagnent suffisamment d'éthique en termes d'intégrité, d'honnêteté, etc., pour y conduire de tels dossiers. Alors, donc, ça dit là, globalement, il répond aux préoccupations qui gagnent, que m'tendez dans l'espace public là, depuis avant d'ailleurs, rapport à Tissouti, comme quoi. Démarche ça, t'as politiquement motivé? Enquête, y'a fait. Bon, moi-même, bon, on connaît, politicien a toujours dit n'importe quoi. Non seulement politicien, mais où t'es ouais réaction, les scandales l'a fait éclater, où t'es ouais réaction, secteur politique qui t'es voué mounio. Vous comprenez? Et jusqu'à présent, moun ki que yo indexé dans le rapport ça ou qui qui ça y a dit ou pas praler, y a dit que yo pas reconnaître bagaille. Donc et ou connaît c'est comme ça nous traiter question, c'est le déni comprendre que monsieur Sayo yo comprendre que yo ka jouer et avec bagay qui piste au lieu qui gagne dans le pays. Donc, voilà, ça n'a pas étonné moins que il y a une réaction ça, parce que, il y a un bagay m'a observé, Godson, c'est que les hommes et les femmes politiques, ça nous connaît, qui gagne plus d'influence là qu'on y a. Ou bon parti là-dedans, yo. Et la majorité, en tout cas, c'est moun qui comprennent que politique là qu'a fait n'importe qui gens. Vous comprenez? C'est moun qui comprennent que yo là, yo là net, pas gué un rien qui a renversé yo a fait de enquête ULCCA, c'est pas un rien ça. C'est yo même qui gagne force, qui gagne pouvoir. Ça, c'est comme ça vous faites politique ici et vous pas jamais reconnaître que politique là a une dose morale là-dedans pour exercer politique, pour faire politique dans le pays. Regardez, par exemple, où il y a de grands partis politiques. Et dans l'autre pays qui a fait démocratie, etc., qui a participé dans la médiation démocratie, il y a un gros chabrak dans le parti, bras au bras dans le moulin, dans la corruption. Mais tout de suite, immédiatement, il y a un météo à côté. Vous comprenez? Et regardez François Fillon. François Fillon en France était candidat pour la président dans l'élection. Et puis, scandale. Et éclaté dans l'affaire de emploi fictif et puis il est tombé, il n'est pas capable de porter tête, il n'est pas capable de candidat. Vous comprenez donc qui est ça, qui était ministre et budget en France sous François Hollande et puis il prend le nom affaire de impôt qui pas déclaré comme ça. Qui il a mis la tête immédiatement. Immédiatement, pas de jouet là-dedans, et M. Sayo a obtenu un rapport d'enquête ULCC, ou par contre, pour quelle raison il a obtenu Et pour qui ça, justement, le Conseil présidentiel de transition pas capable de libérer
de trois moun sa yo qui t'est éclaboussé et question a été fort et que des éléments t'ap sorti avant même enquête là, t'es procès verbal, lettre écrite, etc. C'est parce que yo tout yo pas comprendre question phénomène corruption, yo pas intégré question morale là dans question politique. Mais vous venez avec un argument technique qui dit que tout conseiller au même niveau, que vous n'êtes pas capable de demander mon yo pour mettre à côté d'une part. Et d'autre part, vous soulevez l'autre problème qui est technique, afin de vote qui est passé de 4 à 5 et vous n'êtes pas réuni 5 pour faire un vote qui c'est un vote pour une décision majeure comme ça. 5 sur 7. Je joue une porte de ce bail pour montrer que yo pas responsable, que pour montrer que yo pas capable yo même. Mais dès le départ, si yo te prend position ou prend une position ferme, parce que là le n'a traité question de sur le plan juridique et politique ou après que ou prend attitude ça que ou te gagné le scandale là éclaté a li capable emporter CPTA même deux mois après ou prend que le rapport là sorti. Comprendre donc et là qu'on y est hein, et ça qui passé a li fragilisé, on ne peut plus CPTA au plan, et ça c'est sur le plan purement politique. Et puis après ça, question juridique, on a gardé. Oui, mais juste avant, gagner remarque ça que nous fait, c'est pas de prérogative trois conseillers ça, eux-mêmes conseillers président. Ou yote al rentre nan question de nomination directeur général, etc. C'était Edgar Leblanc. C'est ça que n'a souligné comme premier élément. Et voilà que yo trois, yo passé à côté et nous dit à l'insu de Edgar Leblanc. Bon, de toute façon, enquête là pas montré que Edgar Leblanc ont lien avec ça. Donc, à l'insu de lui, yo al fait démarche ça. C'est pratiquement un concept de raquette. Oh non, mais c'est son raquette. Son raquette. Un collègue dans la société civile là, son braquage, qui dit son braquage, je fais. Et yo braqué les banques là, ou reprendre pour yo tirer. Mais ils sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes parce que. C'est la plus ancienne institution financière commerciale dans le pays, BNC, et puis ils ont attaqué au bien commun comme ça, parce que BNC, c'est le bien commun à tous les Haïtiens. Vous comprenez? Et s'ils développaient, plus ils gagnent un profit, c'est plus. Et la veste de l'État et dividendes, etc. Donc, et vraiment, c'est un scandale. Nous pouvons garder toute portée bagaille ça et gagner, mais c'est vraiment le scandale du siècle. Ouais. Et monsieur Oufella. En parlant de portée, pendant toute l'affaire qui éclatait et la et prend dimension, au moins on a posé cette question, mais comment que une personnalité qui a un statut présidentiel capable d'avoir un rendez-vous dans un hôtel avec on a dit bon, soit garder du point de vue hiérarchique qui parle du tout pour Alchita et négocier, et jusqu'à ce que d'après ça qui sorti pour y employer des langages tant coup bamba gaela c'est pour baiba gaela etc. enfin, mais comment cela se fait-il, puisque même l'homme nous remonte 50 années avant, même sous dictature du Valier, on pas imaginé que un monde de ce niveau qui font type de négociation avec un subalterne.
Gen lontan, oui, etik publik yo nou la gen yonet. Ou wapan moun yo fè nèpote kwa, ordonate yo, wapan yo fè nèpote kwa. Gen lontan, oui, nou la gen sa. Sa ki gen, se ke, pounye konsista pou nou fè, tout la majorite de d'hommes et de femmes politiques ou kap menen politique active et la majorite m'pa di tout et la majorite c'est comme yo vinn fè ou yo vinn plein poche yo yo pa vinn règle rien pou peyi a bon gade gouvernement Ariel Henry a ki jan yo piye peyi a net. Yo piye l net, e tout an van, e kesyon gang sa ki deployan de PIA. Se l'oeuvre de PHTK, e de versyon, Mantelli, e Jovenel Moïse, se menm bagay la, se piye, monsieur, piye, et monsieur Damiovin, piye. Est-ce que rejim sa auto, yo genyon? Anyen pou PIA. Edouard Paul, eske rejim sa yo tou, yo genyen yon konsekans sou kestyon de moralite nan peyi a tou, puisque lop di depi un certain nom d'ane, se vre ke avan te gen korupsyon, etc., men le valeur, eske pa pou un kou an plus avek eksperyans ki komanse apre Préval yo? Ah oui, oui, non mais, et puis, s'il vous plaît, j'en ouè kap fèt la, koman ouè lè, ouè vmoun yo, ou kopren, skandal passeport by Washington nan, skandal sa fèt, se pou ouè ki, avèk ki, facilité, habilité, malgré, monsieur Ogen, ki parlement ki te la, et cetera, pou monsye yo fè recèt ou repren kèsyon paspora patè an deyòr du fisk. An deyòr du fisk. Ou sa vle di yo pren yo fè paspora Washington yo plè kop nan mè yo yo fè sa yo pipito avèk kop la. Ou repren si ya pase Washington mèm yo plè poch yo ou et je dis à pour yo accepter yo refuser accepter que pour des comptes à le faire audit à faire passeport là et donc question éthique yo depuis plusieurs années nous mettez à côté net ou open nous mettez à côté net et puis nous n'a monté descendre avec l'agent l'état non mais yo y ap fè sa ou pipito ou kompren genyen de santèn de milyon de goud ou kompren ki ap sikule la dan peyi ya ki an deyor de la fiskalite an deyor du fisk tout l'ajan ou AVCD APN en, ona, ou fatma. Moun sa ou pa respecte okan norm ou kompren, se yon nan lye kote piyaj yo te pi mye ou kompren piyaj yo ap fet devan deye. Se, bon, moun kwen bakon si moun bo bay sa deja avan, sonje sa wap di Edouard Paul, puisque nou oblige pran un ti pose teknik nap wotounen tout alè nou avek sekreter ekzekutif ECC ensemble contre la corruption et n'a fait une palais spécial l'occasion rapport ça que ULCC mettait dehors et qui épinglait trois conseillers présidents qui t'a doué d'après recommandation ULCC paraître devant la justice pour sa corruption pour devin que recevoir pour nommer un fonctionnaire l'état n'a retourné tout à l'heure palais spécial ça n'a fait l'emplace tichèze bas rite écouter Alter Radio. Outro
si ou pas konnen. Mauvais gestion dans gouvernance pays a fait l'état manquer moyen pour répondre à besoin population. Mettez sous ça, peuple a pas fait aucun nan dirigeant lié au confiance. Citoyens, jeunes, ouvriers, professionnels dans quel que soit secteur ou évoluer, ou doit camper dans bande, paré de garder, mobiliser contre corruption, sensibiliser yon l'autre. C'est pour nous souquer société a pour nous exiger bon gens gouvernance à la tête pays a. Et si c'est Vindio, nous ka changer ça. Corruption pas une fatalité. C'est système gouvernance pays a pour nous changer. Dans transparence, rendre compte, rationaliser dépenses publiques yo, n'a mettre intérêt pays a devant et puis commencer bon gens projet développement. Pour nous voir signal si là, journée 9 décembre 2024 là, et c'est invité au protocole dans une grosse campagne contre corruption. C'est pour chaque organisation fait en des voyous. Dénoncer toute forme corruption, gens au capable faire meeting, sitting, faire manifestation, théâtre, réel, écrit texte avec vidéo sur réseaux sociaux, c'est pour nous faire coucou rouge derrière corruption. Camarades, corruption pas une fatalité, c'est changer pour changer le système gouvernance pays. Segment spécial. Segment spécial sous Alter Radio, nous bien content qu'on avec nous et certainement c'est une question qui intéresse, li intéresse tout journaliste, tout li intéresse pays a, son gros scandale que n'a pas assisté là, trois conseillers présidents que yo joignent main au dans l'agent l'état au devin yo recevoir pour nommer yon moun qui c'est une tâche que l'état bayo normalement donc il y a marchandel. Et c'est principale question qui fait que moun sa yo ta fait pour paraître devant la justice, c'est ça que ULCC recommandé et c'est ça que fait n'a pas aller analyser garder divers aspects dans question hein, avec Edouard Paul c'est secrétaire exécutif ensemble contre la corruption une plateforme organisation qui a bataille contre corruption avant nous vinn rivé là où t'as pral parler me dit songer ça va dire Edouard Paul puisque t'as pral ban nous histoire sur l'année dernière ya yeah, et un petit exemple que me te vle bay et la l'année dernière en décembre 2023 et nous écrit ministre finance nous écrit ministre finance et monsieur Boisvert nous mandel pour mettre à notre disposition bilan et état financier trois derniers exercices pour cinq institutions cinq organismes autonomes et moi c'est OAVCT ONA et OFATMA APN, AN, là et comme ça. Donc, nous demandons pour les banons bilan yo avec état financier pour trois derniers exercices. Mais il n'y a pas jamais répondre non. Il n'y a pas jamais répondre non. Alors, il y a deux questions ou poser ou poser pour qui ça ne va pas répondre. Et est-ce peut-être que bilan yo pas fait, yo pas fait bilan yo, peut-être que yo gen trop bagay que y a caché etc et yo pas vle dévoiler yo et ou bien et performance et institution sa yo li pa ka montrer yo pa ka montrer aucune performance parce que pour yo ta kembe moun yo nan direction nan tête et institution sa yo organise sa yo c'est sous bilan yo c'est sous performance yo ou comprendre est-ce que yo gain revenu mais ça qui passé yo pas vle communiquer rien parce que toute cob institution ça yo c'est cob qui en dehors de fiscalité ça veut dire yo pas passé dans trésor public du tout ou comprendre et puis mais pas gain affaire de comptable public bagaille et puis moun yo fait ça ou pipito avec kobyo ou de telle sorte que yo bay tête yo salaire que yo vle yo bay et yo fait n'importe qui utilisation avec et l'argent là avec kobza yo qui fait que l'état on dit gain en pile pour ouais avec économie criminelle que nous gain là. Avant rapport ULCC a sorti, pas de gain en pile insistance sur comportement Raoul Pierre-Louis lui-même, mais avec rapport a, il vient établi que
monsieur lui-même li gen responsabilité si bien que il mandé pour extrader li li te gen figure un dénonciateur et société a pratiquement recevoir comme ça Edouard Paul. Effectivement, nous-mêmes, nous-mêmes, la UCC, nous t'ai salué ça, et que tu prends courage, lui, à deux bras, et les dénoncer, les dénoncer, et trois conseillers présidentiels. Yo, maintenant, c'est ça, m'a dit, au rapport ULCC, c'est des rapports de bonne facture. Yo, monsieur Paca, a échappé à certains éléments qui liés avec que ce soit la corruption active ou bien la corruption passive. Mm-hmm. Et responsabilité, c'est que non seulement l'IRIVE fait rejoindre quatre là, mais il n'a pas fait de manière régulière en respectant tout principe banque d'après sa rapport révélé. Mon volonté même pour que les rentrer dans le trafic avec monsieur et trafic là c'est pour le déconserver pour si. Donc c'est pas sérieux ça. Ce n'est pas sérieux de sa part. Et à l'occasion de sortir rapport ça, nous apprenons que 4 ça a été attribué, il y a une bonne valeur l'argent là-dedans qui est dépensé et il y a pas attendre probablement que Raoul Pierre-Louis renfloué compte carte de crédit et c'est comme ça stratagème là t'a pas le faire en sorte que comme il était mandé à un moment ou à un autre li bail, c'est-à-dire que c'est comme ça que il a rassemblé à travers un carte de crédit qui gagne un chiffre sous lit, mais chiffre ça l'a bougé dans le sens que yo met l'argent sous lit et puis yo même yo prendre. Après ça, ils ont renfloué et c'est comme ça donc que la jambaille. Mais là, il y a un élément qui était inconnu. Comment dépense ça a fait arriver fait rapide comme ça en peu de temps autant d'argent dépenser qu'il y a deux cartes de crédit qui presque fini pratiquement. Bon. Et ça bague apprécier et forme ta ouais et différents transactions que vous faites pour ta peut-être bay gon meilleure compréhension sur des pensions etc sur mais toujours est-il que principe bay quatre là et principe pour pour qui j'ai à payer et dépenses qui fait sous carte là et tout ça yo c'est des éléments matériels qui est convaincant pour yo dénoncer à corruption que monsieur soumet yo là-dedans. Autrement dit c'est ça qui a fait comme analyse dans des milieux plus ou moins spécialisé ou qu'a réfléchi, qu'a posé question yo, est-ce que li pa ta nécessaire pour garder tout qui mécanisme de blanchiment d'argent qui met en œuvre à travers toute question ça qui posé là je dis. Absolument et là ouais par exemple déclaration que Smith Augustin fait côté li dit que il gagne comme il versé et chaque mois 25 millions de gourdes et comme renseignement et intelligence et à chaque conseiller. Ça veut dire c'est son bagage qui est inimaginable et je dis à et si tel est le cas et c'est une raison qui fait ECC penser que si il a besoin approfondi yo besoin approfondir enquête là parce que ou 25 millions de gourdes nan men faut comme l'état faut toujours capable di koto dépenser li c'est pas une institution qui lié avec renseignement ou pas gagner comme renseignement pour toucher ça c'est premier principe là deuxième principe là
et comme ce n'est pas une institution de renseignement qui prend Cobla, ou même qui prend Cobla, il faut bien dire qui ça Cobla fait. Ou comprendre sinon, ou comprendre c'est Mounio a servi et a blanchi comme l'État. Ou comprendre et qui gens pour ça faire. Nous, enquête la besoin approfondie, parce que si nous recevons tout comme ça, chaque mois, Jean Smith Augustin Dili, et à qui ça comme la servi? Et est-ce que le servi a financé le secteur politique qui était bail et qui était désigné Nexayo aller dans le CPT? Si tel est le cas, jouet élection li faussé et élection qui pourra le venir. Vous comprenez? Parce que tout le monde passe au même plan. Vous comprenez? Pour certains secteurs politiques, qui gagne l'argent l'État non mais eux qui a fait campagne qui a fait et qui besoin prend pouvoir de telle sorte que si il bagaille ça vérifier il faudrait que vraiment yo interdit et certains et certains partis politiques certains leaders politiques pour yo pas capable à l'élection, pas capable de présenter candidature. Ça, dans la loi, et prévention et répression de la corruption. Tout. Mm-hmm. Et si tel est le cas, il n'y a pas capable et CEP qui prend le métier en place, il doit disqualifier eux à partir de enquête qui fait sur ça. Donc nous besoin que yo approfondi enquête là et reste même CPT qui là yo, il faudrait voir si effectivement yo gen tout comme ça y a géré, c'est il faudra que malheureusement yo continuer faire enquête là même sur yo tout parce que l'argent public il faut que il dépense et qu'on baille rapport sur lui. Donc à partir de question et l'agent intelligence ça que yon conseiller dit qui distribuait, donc vous pensez que au-delà de 3 ça yo faut disons 6 lotio c'est ça si me pas tromper moi et t'a doué donc gagner des enquêtes qui faites pour qu'on d'une part si on recevoit l'agent intelligence là. Et à qui ça s'est servi, c'est ça que vous avez dit? Oui, il y a besoin d'un rapport, il y a besoin de demander un rapport sur comme intelligence, parce que... Mais pourquoi Haïti n'a pas besoin d'intelligence ou quoi? Mais ça crie, ou pas une institution qui est liée avec l'enseignement ni intelligence. L'agence a acheté pour une institution qui a fait l'enseignement et intelligence. Et si ou servir avec lui en dehors de ça lui doit affecter c'est comme ça finance publique fonctionner et il faut qu'on baille rapport sur ça et puis on réponde de décision qu'on prend. C'est comme ça yo traité et les finances publiques. Mais problème dans tout Edouard Paul c'est que responsable public yo pratiquement yo pa gen côté pour rendre compte l'on certain sens puisque bon institution yo pas là et là par exemple l'on mettait en place transition yo te prévoit ou institution de contrôle institution de contrôle ça pas jamais vini c'est ça relé au CAG là pa fi de songe qui ça sigla vle dit en tout mais c'est lui-même de c'est de ça qu'il s'agit c'est une institution qui te gen pour mettre en place à côté de plusieurs autres, on t'a parlé du parquet financier, mais bon, il y a l'autre encore. Et donc, espace de contrôle, ça n'a pas existé. Oui, mais c'est arrivé. Institution contrôle, il n'y a pas toujours joué au rôle. Parce que tout suivi quotidien sous finances publiques, là, c'est job IGF. Et inspection générale des finances. Vous comprenez? C'est lui qui
qui pour rester veillatif, vigilant sur rapport chaque instance à paille. Et dès lors que yo dérapé et inspection générale des finances ont adoué et alerté le système de gouvernance du pays, mais vraiment c'est une instance et pour nous adoué compter sous lit pour mettre question pour freiner question corruption ça, mais malheureusement l'est pas montré que l'est très actif sur ça. Alors non pas ouais Edouard Paul yon diligence qui paraît à faire, bon tout au moins peut-être que gain réflexion pour faire etc mais c'est silence du côté des autorités que on prend CPT ou bien au niveau gouvernement en général. Bon, ça concerne les CPT, c'est les plus gros instances de pouvoir dans le pays. Aujourd'hui, c'est silence. Oui, bon, ou pas, ouais, bon, c'est enquête ULCC actuellement, mais ou pas, ouais, effectivement, aucun monde voulait bouleverser ce système, non? Y compris le commissaire gouvernement lui-même qui est interpellé, dit nous pas attendez. Commissaire gouvernement, pas j'en me fais lui parce que les marines n'ont pied de table ministre justice. Vous comprenez? Donc, nous pas un système judiciaire qui est indépendant suffisamment pour mener ce genre d'enquête. Et alors, côté bail, ça va le débloquer. Bon, où qu'on est, moi-même penser que il faut vraiment nous miser très fort sur le renouvellement de la classe politique et que nous pas garder et système et parti politique yo là et comme si c'est comme ça la priorité. Non. Mais ça, c'est à long terme. Parce que si nous avons affaire là, lui-même, Edouard Paul, c'est à long terme. Mais à court terme. À court terme, moi-même, je ne sais pas où est que. Parce qu'il faut avoir une volonté politique. Mais est-ce que le secteur qui est nommé, il n'y a pas un rôle qui a joué, même bien que vous paraissez, vous même divisé sur question ça? Il y a un rôle pour vous jouer, premièrement, et communiquer que vous avez remplacé vous. Et bah yo 5 jours bah qu'on est pour yo remplacer yo et moun ka remplacer yo a l'a gagné qualité et les non seulement des compétences mais également des qualités éthiques et morales suffisantes pour yo conduire et transition. Donc si yo te fait un discours comme ça ou t'as pour que nous sommes capables d'espérer faire partage et ça dans ce PDA. Mais ça m'a gardé et déclaré, moi, yo tout traité silencieux, secteur politique, on va dire rien. Et moun yo impliqué dans la bagaille là, yo dit à prêter. Donc, ça veut dire que ce PDA, il est capable de disparaître, oui, et non, question corruption, ça. Oui. Et d'autant que ça arrivait dans le contexte, contexte-là paraît tout le monde a regardé ça, bien qu'interprété le temps où une bataille de pouvoir entre CPT et gouvernement. Entre temps, nous, toute violence gagne lui-même, et il a profité de confusion, ça, il a augmenté. Absolument, où est ça? Où est que quand il a pu frapper et nous recevons information sur Ponson D, Saint-Marc, la Tibonite, là, son bas était chargé. Et, bon, il est vrai pour nous chercher à comprendre et vraiment qui en jeu guerre ça a eu installé dans la Tibonite, là, en jeu lié sur l'avenir pays, à sur sous zone non et parce que il semblait que yo pas voulait nous faire durer encore yo pas voulait la Tibonite traiter et une plus gros c'est une plus grande zone de production agricole donc
et bon l'autre bagaille qui a réglé dans la Tibonite là à travers gang ça. Et maintenant des effets au niveau international qui sont ouais. Moi-même lecture pas moi et au lendemain de scandale là nous tendez qui réaction c'est peuple qui voyait et Smith Augustin et ils disent des bagailles politiques politiciennes qu'a réglé yo pas voulait Smith Augustin vienne président CPTA mais mes amis depuis scandale là éclaté ou même ou dit ces docteurs politiques ou pas trouvé que Smith Augustin pas carité Claude Joseph dit que c'est docteur lié en politique. Il n'y a pas trouvé que la communauté internationale n'a pas accepté de deal avec un monde qui a et poids corruption ça sous dol. Non, mais c'est Mounio c'est ou bien les ont entré dans la politique là, ils ont un déni et sous yo, ou bien mon cher, ils n'ont pas compris rien dans la question politique et statut moun sa yo qui dans CPTA. C'est yo ba yo des tâches pour participer dans réalisation élection dans reprendre pacifier pays a pour nous pas suspendre pour nous sortir dans question manifestation dans question bagaille pour aller vers les élections et puis on paquet voyous. Ou reprendre yo voyer dans CPTA et puis c'est et bagaille politicienne yo vinn régler etc. mais c'est lamentable. Bon outil que nous connait communauté internationale là ces derniers temps utiliser en pile ces sanctions est-ce que nous t'a à la veille d'une série de annonces de ce genre? Oui, pas connait si on pral et fait des rapports à partir de rapports d'enquête ULCCA, mais politiquement, et première page CPT, ça, son page tournée. Et nous pas besoin, c'est ou bien l'éclater net, ou bien repartir li, et puis les redéfinir et tête li, etc., li concentrer sur ça qui est essentiel et prioritaire. Donc, on a peut-être que l'en crise pirette, là. Ah oui, nous en crise. Nous en crise. Ouais. Ça, il n'y a pas de doute. Nous en crise. Et pour nous finir, Edouard Paul, et rappelez-nous les étapes que nous-mêmes, au niveau de ECC, qui c'est Ensemble contre la corruption, nous ouais pour avancer avec dossier ça. Premier bagage là c'est le commissaire gouvernement parquet pour au prince les besoins mettre l'action publique en mouvement contre à partir de rapport d'enquête ULCCA. Et c'est ça on dit qu'est très difficile pour faire. Ça et bon pas quoi là très difficile non. Monsieur Ate, trois monsieur ça yo y a fait grand gorge là mais yo connaît que c'est fini. Secteur politique qui voye yo a yo connaît tout c'est fini. Yo connaît tout c'est fini avec ces trois là maintenant peut-être une longue phase de négociation sous quelle sortie, comment aménager la sortie. Oui, mais commissaire gouvernement pas gagné. L'autre option, c'est mettre l'action publique en mouvement contre yo. Comprendre, mettre l'action publique en mouvement contre yo, et puis et transférer dossier dans le cabinet d'instruction pour que l'y approfondit, yo approfondit enquête là, et puis bagayo a avancé sur le plan juridique. Sur le plan juridique. Ça qui gagne est image et intérêt d'Haïti, intérêt population haïtienne,
intérêt la République d'Haïti li pi wo pase ti intérêt ni Louis Gérald Gilles ni Vertiller ni Smith Augustin parce que nèg sa yo te vini ni Raoul Pierre Louis nèg sa yo te vini pou yo ou konprann pran kòp peyi a fwe nan poche yo. Et du point de vue de modèle, ki tip de konsekans ke nou kab imagine pou res sosyete a partir de bay sak pase la ki konfirme? Sa nou ta bezwen, se pa pou ka sa selman, tout dosye ki liye a korupsyon. Bon, ULCC di li gen 94 rapor ki e depose nan diferent parker an de peyi ya. Men, pou kon gen de proses ekzempler ki fet. Pou bezwen ale ver la realizasyon de proses ekzempler. E parmi se proses ekzempler, genyen dosye sa li men ki eklate la. E pi, genyen tout pillaj ki fet avek Fond Petro-Karibeo. Edouard Polt, Nabdou, mersi anpil e nab rappele ke ou se sekretèr ekzekwitif ensemble kontre la korupsyon ECC ki prononse le ou banon le grand ligne de posisyon organizasyon sa yo ki ap batay kontre korupsyon sou dosye sa ke nou genyen des eleman tre kler sou li jodi ya avek rapor ULCCA sou pot vin ke 3 konseye prezident pi gwo instans pouvoi nan peyi ya resevoi pou yo kapab nomè un fonksyonè l'Etat. Mersi boku. Mersi osi, mersi Godson. Sete yon pale spesyal nan plas Tichèz Ba ke nou toujou genyen nan le sa. Mersi pou atensyon nou. Kontinu ekoute Alter Radio sou 106.1 FM, alterradio.org ak divers platform internet. Lide fwe nan afè radio. Sè ti kon kaki di sa. Yeah.